Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que vous pensez du projet du spa à la SPA? Salut les gars, et moi je pense que vraiment c'est un beau projet, les animaux ils en ont vraiment besoin, le refuge déborde et je comprends pas qu'il n'y ait pas tout le monde qui donne au moins 1 euro pour cette cagnotte. C'est pas normal, les animaux ils en ont besoin. Exactement, à la mode marseillaise comme on est chez nous, moi je comprends pas que tout le monde ne paye pas 1 ou 2 euros. Allez, cherchez dans le porte-monnaie, amenez-nous 1 ou 2 euros et on verra avec lui. Hein. Votre frère il en pense quoi? Frère? Quel frère? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Alors écoute, j'ai écouté ce que tu disais. Tu as raison. Voilà, il y a un beau projet. J'espère à la SPA. Les gens, ils ne donnent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut donner. Mais c'est important que ce projet SPA, qui est en train de monter à la SPA, aboutisse. 700 animaux livrés comme ça à la SPA. Je vous en supplie, arrêtez d'abandonner les animaux. Ce sont des animaux, des êtres humains. Et bravo pour ce projet. Je suis persuadé que les gens, si ils savent où on doit verser, ils verseront. Ne sera-ce qu'un euro, c'est rien, c'est une baguette de pain. Rendez-vous sur le mur Facebook de la SPA de Marseille. Venez nous voir, likez la page et venez faire un petit don pour la cagnotte de la SPA de Marseille. Une dédicace à faire, toi. Et je voulais dire un petit peu à mon ami Camille Combal, au poteau, il t'a contacté mon ami, réponds-lui, viens faire une petite vidéo pour la SPA à la SPA de Marseille. J'attends, je compte sur toi Camille. Merci Perrault. Merci. Greg Celtic, on a vu que tu ne parlais qu'aux présidents d'ici et nationaux, reviens nous voir, nous allons refaire une vidéo avec toi, je t'embrasse. Ah voilà. Merci.